Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de nos aventures sur le petit Limousin. Et aujourd'hui, déjà, comme vous pouvez le voir, le premier fail de la partie, hein. En tout cas, pour cette vidéo-là, ouais, j'ai tapé un peu les barrières en passant. Alors, j'ai du mal avec cette machine-là, hein. C'est violent, pire que les autres machines, je crois. Mais bon, on va essayer de se débrouiller quand même. Donc, je vais essayer de laisser tourner un petit ouvrier. Et on va voir ce qu'il va nous faire. Alors, je suis pas forcément très confiant, mais on va pas tarder de le savoir, hein. S'il est pas trop con, il devrait aller tranquillement tout seul comme un grand. Et s'il est con, ben, on verra après, hein, tout simplement. On a l'habitude. Donc moi, ce que je vais essayer de faire, c'est de faire les bords. Du coup, je vais essayer de commencer. De toute façon, j'ai pas le choix que de commencer de ce côté-là, parce que sinon, je vais taper le bord des arbres, ce qui est un peu couillon. Et il faut que je surveille le chien parce que mademoiselle a ses premières ragnagnous. Et c'est le boxon où je surveille le chien. Ouais, normalement, elle devrait pas bouger, mais je me méfie quand même. Donc du coup, eh ben, on est parti tranquillement pour ce petit ou grand champ. Oui, vous prenez ça comme vous voulez. Je sais qu'il y en a parmi vous qui sont des adeptes des champs qui sont très, 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 très gros. Personnellement, c'est pas trop mon truc. Mais bon, celui-là, ça va encore. On va dire que c'est pas un énorme. Il y a déjà moyen de, il y a déjà moyen de faire de faire du rendement dedans, mais voilà, c'est pas un champ qui est non plus très très gros. Donc voilà, j'ai demandé hier si vous vouliez que je fasse des voyages directement ou non. Du coup, personne ne m'a rien dit, donc je vais faire des tas au bord du champ. En tout cas, je vais essayer de faire de mon mieux. J'espère que l'ouvrier ne sera pas trop con, ça m'arrangerait. Du coup, on va pas tout faire ensemble, hein. Bien sûr, je vais en faire hors ligne. Et demain, bon, on se retrouvera pour. Enfin, demain, normalement, si je suis là. Demain on se retrouvera, demain ou après-demain on se retrouvera pour faire les voyages. Et puis après bon on en sera la fabrication, enfin la fabrication, la production de patates. Merde, comment ça s'appelle? Ah! Merde, j'ai plus le nom en tête, ça y est. Les patates propres là, les merdes. J'ai un de ces trous, ça truc de ouf. Les patates lavées, voilà. Oh là là, le mec. Les patates lavées, et puis après, bah, il y aura les patates cuites, tout simplement. Donc, du coup, on va essayer de faire ça tranquillou. Sans se prendre la tête, comme d'habitude. J'ai pas regardé si, s'il y avait des nouvelles de la nouvelle version de la map. Il faudrait que je m'en occupe juste après. Avant de repartir au boulot, et oui, parce que je profite de faire ça entre midi et deux. Avant de refoutre le camp au travail, tout simplement. On va faire un peu de bois. Pendant au moins cette semaine, enfin, au moins, oui, parce qu'on en aura un peu plus que ça, mais on verra avant d'attaquer les foins. Alors, je sais que parmi vous, il y en a qui ont déjà fait, qui ont déjà attaqué les foins. D'ailleurs, c'est arrivé là vers chez moi aussi, mais il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il y en a très très peu qui ont déjà attaqué. Après, ça dépend des régions et tout. Hein. Alors, j'espère qu'il est reparti dans le bon sens, sinon il va vite être bloqué cet abruti. Eh ben non, il est pas parti dans le bon sens, donc du coup il va se retrouver à la pointe. Ah si, j'ai rien dit, pardon. J'ai rien dit, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Il a pas été trop bête. Pour une fois, je te félicite Maurice. T'as bien repris dans le sens qu'il fallait. Allez, hop. Eh ben du coup, nous on va faire les pointes pendant que lui il attaque le gros carré, j'ai envie de dire. Ah, j'aime pas cette machine-là, elle tourne trop, trop brusque. Tu peux tourner, tu peux faire un 360 sans bouger. D'accord. Top. Pardon. Je surveille, hein. Je suis désolé, je suis obligé de surveiller le chien. Et il est déjà arrêté? Ah non, j'ai cru. Mais il va pas tarder, hein, parce que là, on. Je sais plus combien on met de tonnes dans la bécane, là. 20 tonnes, je crois. Je sais plus. Donc, bon, on va pas tarder de le savoir, en tout cas. Mais je sais plus exactement combien qu'on en met. Alors, je vais en venir au truc que j'ai parlé hier d'ailleurs. IRL dans certaines régions, alors Matt m'a dit que chez eux, ils faisaient pas le tour des champs. Et presque plein, ouais, 80%. Donc Matt il m'a dit qu'ils faisaient pas le bord des champs. Vous savez, quand on a planté hier, j'avais demandé ceux qui faisaient le. Enfin, s'il y en a qui faisaient le bord des champs en plantant ou non. Alors Matt il le fait pas, mais il y a quelqu'un d'autre qui m'a répondu, désolé j'ai oublié le pseudo, je suis vraiment désolé, qui m'a dit que eux ils faisaient le bord des champs aussi, donc je pense que ça doit être un petit peu galère pour pour faire le tour. À part bon, si t'as pas du trop trop gros matériel, c'est vrai que si tu tournes avec des machines comme ça, il y a moyen de t'en sortir à peu près. Par contre, si tu tournes avec une petite machine, je pense que ça doit être un peu plus compliqué, même avec les grosses, hein, je pense aussi.
Et du coup, je trouve que c'est un peu le même principe que pour les choux. Moi, j'en ai fait des choux quand j'étais en stage dans l'eau pendant 3 semaines. Alors, pas des choux que tu récoltes à la main, hein, c'est des choux que tu te sers pour faire de la choucroute, tout simplement. Hop. Faut que je trouve mon T7, puisque j'ai ressorti le T7 un petit coup. Ah bah, ça y est, il est plein aussi. Bon, du coup, je vais le vider lui. Commencer, puis après, on verra. Faudra que je rachète une deuxième benne. Je vais revenir à ce que je disais. Hein. Il faudra que je rachète une deuxième benne également. Être pas mal. Ah, c'est bon, c'est parti. Du coup, j'en reviens à ce que je disais pour les choux. Donc, oui, je suis allé en stage dans l'eau pour faire des choux pour la choucroute, tout simplement. Que tu récoltes au tagazou avec une arracheuse, mais le bord des champs, c'est un petit peu emmerdant. Tu ne peux pas le faire. Ça y est, elle est vide. C'est bon. Tu ne peux pas le faire, le bord des champs. Parce que avec le. Alors, c'était une arracheuse. Un rang dans mes souvenirs, que je vous dise pas de conneries. Je sais pas où je vais mettre ça parce que l'autre imbécile il va se pointer. Je vais mettre ça plus loin dans l'autre champ, c'est pas grave. Tu pourrais pas faire le tour des champs avec la machine et puis la benne, puisque voilà, ça fonctionnait comme une ensileuse, hein. Il n'y avait pas de trémie ni quoi que ce soit dans les machines qu'on utilisait. Du coup, eh ben, on faisait ça, le bord des champs à la main. À part pour certains champs où il y avait une. Je crois qu'ils mettaient de l'herbe. Ouais, ils mettaient de l'herbe au bord des champs, ils faisaient une bande où il y avait de l'herbe à la place de mettre autre chose. Hein. Donc à ces endroits-là, ça allait. Mais aux autres endroits, eh ben, quand il se met jusqu'au bout, il fallait que tu tapes, je crois, 7 ou 8 rangs à la main. Et je peux vous dire que c'est très long, très pénible. Hein. Il va se foutre la gueule dans l'autre. À mon avis, il va y avoir du dégât. Attends, je vais te bloquer la route parce que tu vas me faire n'importe quoi. Oh! C'est moi qui ai fait nimp. T'es mort! Là, il y a un peu un méli-mélo là au milieu. Alors, c'est de ma faute. C'est moi qui l'ai fait. Hein. C'est pas les machines. Vas-y, avance, dégage-toi. Penses-tu? Mes couilles. Donc, du coup, ouais, je disais sur 7 ou 8 rangs de large. De toute façon, c'était tout le long. Hein. C'était pas que en bord de champ, par contre. C'était tout le long du champ. En fait, c'est pas compliqué, vous avez un tracteur devant la machine. Il est con lui ou il le fait exprès là? Il s'est arrêté? Débile! D'accord, donc le mec il s'est complètement arrêté, ok. Pourquoi pas? Hop, donc c'était tout le bord du champ qu'il fallait faire. Par exemple, bah là s'il y a une haie au bord du champ comme ici, avec les choux, t'es obligé de te taper 8 rangs, ouais. 8-9 rangs de large à la main. Et je peux vous dire que c'est long. Hein. Quand vous avez des champs qui font plus de 400 mètres, je crois, je peux vous garantir que quand tu remplis une benne de 12 tonnes avec des choux qui font en moyenne de 5 à 7 kilos, je peux te garantir que tu trouves vite le temps long. Hein. Après, bon, bah voilà, hein, c'est comme ça, c'est comme ça. En général, ils évitaient de le faire. Hop, ils évitaient de le faire, mais il y avait un ou deux champs où tu étais obligé de te le taper. Et je te garantis que tu fatigues. Hein. Déjà, faut que tu les coupes à la main, les choux. Et encore en plus, tu charges ça avec une fourche à chaque fois. Et je peux vous garantir que c'est long. Pour l'avoir fait, d'ailleurs, j'ai coupé ma botte qui était toute neuve. Et parce que. Alors, j'étais un peu dégoûté parce que j'avais acheté des bottes des aigles. Tiens, celle-là aussi de Ben, elle va pas. J'ai un essieu qui touche pas. Putain, vas-y, sans déconner, quoi. Des aigles, des bottes fourrées, vous savez, avec le. Dedans, c'était tout rouge, mais c'est la même texture que que les plongeurs. Et elle m'a coûté 150 euros, je crois. Je les avais achetés avant d'y aller. Et au final, je les ai percés, j'ai foutu un coup de serre dedans. Un coup de serpette pour arracher les choux. J'étais dégoûté. Mais dégoûté, quoi. Je me suis fait chier à acheter ça, tout ça, pour foutre un coup de serre dedans comme un gros débile. Bah bon, voilà, c'est les choses qui arrivent. Bah, tant pis, c'est pas grave, hein. C'est comme ça. Ça fait 150 euros dans le cul, mais bon. T'as quoi, t'as pas le choix, t'as pas le choix, hein, c'est comme ça. Hein. Et puis ouais, voilà. Bon, c'est ma petite expérience par rapport à ça, mais je peux vous garantir que se taper 8-9 rangs de large sur toute la longueur du champ, et encore en plus pareil au bord, c'est encore pire. Je peux vous garantir que c'est long, pénible et douloureux. Hein. Parce que, ouais, t'as le tracteur à la machine, et puis l'autre tracteur est à peine à côté, et même en serrant le plus que tu peux, t'es obligé d'enlever, je crois. J'ai plus trop souvenir, mais ça doit être 8 rangs de large, minimum, pardon. Sinon, bah, tu l'avais dans le cul, tout simplement. Mais c'est pas un truc que je ferais tous les jours. Alors, certes, c'est une expérience à faire, mais je peux vous dire c'est pas un truc que je ferais tous les ans. Hein. Parce que, wow, moi, déjà, qu'un dos de merde, encore en plus, t'y passes un sacré moment. Hein.
Bah bon, après, voilà, hein, c'est un métier, c'est comme ça. Hein. Mais c'est vrai que c'est mieux de prévoir de mettre un carré d'herbe au bord. C'est un meilleur temps. Bah, c'est pour le confort de l'agriculteur, enfin, voilà, c'est pour le confort de l'agriculteur, hein, qu'il n'ait pas à se taper 8 rangs à la main. Mais bon, ceux qui décident de faire comme ça, ils décident de faire comme ça. Moi, ça me dérange pas, je l'ai fait histoire de faire, quoi. Mais sinon, ouais, je m'en passerai bien. Et du coup, c'est pour ça que je disais la dernière fois, pour les patates, ça doit pas être évident pour ceux qui plantent ça au bord du, tout au bord du champ. Et finalement, il y en a un qui m'a dit qu'il le faisait quand même. Donc, je sais pas comment ça doit se passer, mais en tout cas, je pense pas que tu dois récolter ça à la main quand même. Enfin, j'espère pas, parce qu'autrement, ça doit être long. Pour l'avoir fait aussi, ça, alors ça, c'était pour c'était du perso, hein. Avant, je faisais un petit carré de patates. Et il y a une année où ça avait super bien fonctionné, j'avais récolté 3 tonnes, donc du coup, bah, nous on n'avait pas de machine, hein, bien entendu. Donc ce que tu fais, tu prends le motoculteur avec la charrue, tu déchausses les patates du coup, et tu ramasses tout à la main. Et quand j'en ai ramassé 3 tonnes dans la journée, ça m'a fatigué, j'ai dit c'est bon, vivement qu'on n'en fasse plus parce que c'est un truc, j'aime pas trop ça. J'aime déjà pas trop ça d'origine, mais alors cette année-là on en avait ramassé 3 tonnes, ça m'avait cuit quoi. Ah bon, on a pu bouffer des patates tout l'hiver, hein, comme ça, il n'y a pas eu de soucis, hein, tu pouvais manger des patates, il hein, y en avait. Hein. Allez, du coup, on en revient à nos moutons, hein, sur ce que je disais. Enfin, on revient sur le sujet des patates, pour le coup. Des patates, je n'en ai pas trop fait sur FS17, d'ailleurs, je crois qu'on en a fait qu'une seule fois ensemble, ou peut-être deux fois, ah si, peut-être quand même un peu plus de deux fois en 2 ans, presque. Pas 2 ans, mais bientôt. On n'en a pas fait beaucoup quand même. Mais bon, à chaque fois, j'ai envie de dire, à chaque fois, quand je mettais en normal le niveau de difficulté en normal, on n'arrivait pas à avoir ces machines-là avant de fatiguer un petit peu de la map. Donc c'est pour ça que la dernière fois, j'avais parlé des nouvelles carrières suivies que je ferai avec les autres sur FS19, si ils veulent toujours jouer à FS19. Je pense que je mettrai les carrières suivies en facile. Il y a de fortes chances, au moins on avancera un petit peu plus vite, histoire de vous montrer un peu plus rapidement les choses. Et on arriverait un peu plus souvent au gros matériel, parce que je sais qu'il y en a parmi vous aussi qui aiment le gros matériel, hein. Il n'y a pas forcément que les gens qui aiment le petit. Du coup, faut aller vider monsieur encore là-bas. Oh, il casse les pieds, il va plus vite que moi lui, hein. Il va plus vite que moi, le bonhomme. Donc normalement 2 rangs ça devra aller, la goulotte devrait passer. Donc ce que je vais faire, je me remets en place vite fait. On va aller vider. Donc ça me permet de faire un petit peu les 2 ateliers qu'il y a à faire aujourd'hui, c'est-à-dire le tracteur Ben plus la machine. Où c'est qu'il est? Eh ben, il est là, tranquillement. Et finalement, bah, ça va plus vite que ce que je pensais. Je m'attendais à ce que ça dure encore une éternité, tout ça, mais bon, je suis encore pas au bout, hein, ça c'est sûr, mais je m'attendais à ce que ce soit pire que ça. Oui, j'arrive, j'arrive. Pas la peine de mettre le giroflard. Je suis là, Maurice. Je vais tâcher d'aller mettre 10 tonnes dans la benne en plus, dans ma machine à moi. Et puis voilà, ça fera nos 30 tonnes pour celle-ci. Et puis ouais, y a de quoi. Je pense qu'il y a déjà de quoi faire hein, pour la prochaine fois. On verra ce que ça donnera tout simplement. Ah, j'allais dire avant ce con, il a pas fini de vider, mais en fait ça vide super vite. Hein. C'est les machines, elles vident super vite comparé aux moissonneuses. C'est quand même assez fou. On a combien? On est presque à 14 minutes de vidéo. Ça passe vite, hein. On n'a pas arrêté. On n'a encore pas fait grand-chose. Mais bon, voilà. Un petit atelier en plus. Allez, roule ma poule. Je sais plus combien j'avais. J'avais 14 tonnes, je crois. C'est quelle est ma bestiole là? Allez, roule. Dépêche-toi, Maurice. Et du coup, je crois qu'il doit m'en rester 4 tonnes, un truc dans ce genre-là. Bon, je vais faire le tour par là. Ah ben non, je peux pas. Je ne peux point, Maurice. J'espère qu'il va pouvoir retourner, l'autre imbécile, là. Il va pas me faire n'importe quoi. Allez. Ubrique. Ça va bien se passer, ça va bien se passer. Et du coup, bah après, ouais, comme j'avais dit la dernière fois aussi, après cette map-là, je sais pas sur laquelle on ira. Une très bonne question, Maurice. J'ai aucune idée. Pour l'instant, il n'y a rien de foufou, hein, comme m'a dit Matt encore hier, et puis le Valaisan. Pour l'instant, c'est vide. Hein. Et ça va rester vide pendant un moment, je pense. Hein, parce que ce coup-là, on va dire que Giant néglige un petit peu FS17 maintenant.
Ils sont à fond sur FS19. Donc du coup au niveau mods on a rien de foufou. Hein. J'en ai vu quelques-uns la semaine dernière, mais bon, il y a beaucoup d'updates et puis pas beaucoup de nouveautés. Donc bon, ça prend. On va dire ça vaut pas le coup de faire une vidéo dessus. Et après, bah, déjà, nous on est déjà pénalisés parce qu'on en a beaucoup moins qu'avant, même très peu, mais les joueurs console, ils en ont plus du tout quasiment. Et je pense souvent à vous, hein, ce qui est normal. Mais ouais, ça. C'est la dèche en ce moment. Et re tout le monde, désolé, il a fallu que j'aille voir où était le chien. Quand je me suis retourné, en fait, elle était dans mes pieds. Un peu con. C'est de ma faute, c'est pas grave. Donc, du coup, ouais, j'ai loué les deux machines. Tu veux bien baisser, Maurice, s'il te plaît? C'est bon. J'ai déjà baissé. Donc, comme je le disais, ouais, les joueurs PC, on en a déjà moins. Mais les joueurs console, on n'en a plus du tout. Donc, ça doit être un petit peu compliqué quand même pour vous. Pour tout le monde, en fait. Mais je trouve ça dommage quand même. Enfin, ils savent qu'il y a encore des joueurs sur le jeu, c'est automatique. Hein. S'ils regardent les vidéos de leurs partenaires, comme Energy, etc., 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 voilà, blablabla, ils doivent savoir qu'il y a encore du monde sur le jeu, et je pense que c'est comme ça qu'ils vont faire que le reste des gens qui est encore sur le jeu va s'en aller, parce qu'au bout d'un moment, si t'as plus rien, tu veux pas tourner 15 jours, enfin 15 jours, tu veux pas tourner 2 mois sur la même map, même si t'aimes bien faire. Des grosses carrières, je pense qu'au bout d'un certain temps tu dois quand même pas mal fatiguer, t'aimerais bien un peu du nouveau décor, un peu des nouvelles choses, et au final ben là pour l'instant c'est mal barré. Alors c'est pas que de Giant, hein. Je pense que les mappeurs et modders ce coup-là ils ont sorti la plupart des mods qu'ils voulaient sortir, et que peut-être qu'au bout d'un moment ils sont peut-être fatigués aussi, hein, ce qui peut être compréhensible parce que ça prend quand même pas mal de temps aussi bien pour faire une map que un mod. Donc, je comprends tout à fait que eh ben, les modeurs en ont peut-être un petit peu marre. Et puis après, bon, ben, voilà, hein, c'est. Après, chacun pense ce qu'il veut, mais moi je trouve que c'est assez compréhensible. Tout simplement. Donc, je vais arriver au bout, je vais encore pouvoir retourner vider. Mais je trouve ça bizarre quand même comme ils reculent là-dedans. Avant, ils étaient pas très fut-fut, nos salariés, mais je crois que depuis. Heureusement que t'as pas le mode pour. Comment ça s'appelle? Le destruction de culture, parce qu'il te broie la moitié du champ, lui. Hein. Comme il est parti, et dire qu'à la fin de FS15, il nous avait dit que oh ben, le salarié sur FS17 sera amélioré. Je trouve qu'il est encore aussi, enfin, il est aussi con qu'avant, voire même peut-être pire que ça. Après, c'est que mon avis, hein. Chacun pense ce qu'il veut. Ça se trouve, il y en a qui pensent qu'il est mieux qu'avant. Moi, je trouve qu'il est pareil. Il est aussi con, et parfois pire. Du coup, on va peut-être pouvoir vider directement avec ça. Qui loue, et puis on va vider encore une fois notre ouvrier, pardon, faire encore un petit peu. Après, on s'arrêtera là pour aujourd'hui. On aura déjà pas mal travaillé. Il y a déjà un bon tas de patates. Allez, hop! Mais alors, IRL, je suppose que ces machines-là ça existe, hein, bien entendu. Mais le truc, la question que je me pose, c'est quand je vois la hauteur du tapis, même quand ça arrive dans la benne. Les patates elles sont pas un petit peu tarées à la fin parce que, enfin, les premières qui tombent en tout cas, allez, monte! Les premières qui montent sur le tapis et qui descendent dans la benne, elles doivent être un peu tarées quand même parce qu'elles prennent des sacrés. Elles prennent des sacrés coups sur la gueule. Hein. Après, je sais pas, hein, moi, je demande ça comme ça, hein, pour ceux qui savent, ben, dites-le moi, enfin, surtout pour ceux qui en font. Mais celles du dessous, elles doivent tirer un peu la gueule quand même. Hein. Après, je suis pas connaisseur, donc je ne sais pas du tout. Je me renseigne, hein, j'ai l'habitude de vous demander pour me renseigner. La dernière fois, on a parlé des fraises, j'avais demandé un truc, on m'a répondu. Le coup d'après, j'ai demandé pour ceux qui plantaient les patates, on m'a répondu aussi. Donc c'est cool d'avoir toujours, toujours des choses à dire et de. Comment dire? Et de discuter de tout, en gros, de tous les sujets qu'on peut, et puis moi j'ai toujours des interrogations, j'ai toujours des choses à apprendre, et puis je pense que j'ai quand même quelques petites choses à vous apprendre aussi, mais ça c'est pour ceux qui sont pas du tout dans l'agriculture, à hein. Ceux qui y sont, je pense qu'ils ont déjà toutes mes connaissances à moi. Après, bon, bah, voilà. Donc du coup, eh ben, on s'arrête là pour aujourd'hui. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne après-midi ou une très bonne soirée si vous regardez la vidéo en soirée, et je vous dis à la prochaine. Ciao!